C'est une petite phrase qui, pour certains, s'apparente à une reculade. Devant le Congrès des maires de France, François Hollande rappelle d'abord aux élus hostiles au mariage homosexuel qu'ils devront faire appliquer la loi si celle-ci est adoptée. Mais il ajoute « Des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies. Et il y a toujours la liberté de conscience. » D'abord, il a réussi à faire plaisir aux opposants du mariage homo. Regardez cette réaction, c'est la plus enthousiaste, et c'est celle de Christine Boutin, qui s'oppose farouchement au mariage pour tous et qui dit « Hollande reconnaît la liberté de conscience, c'est une victoire !» Je pense qu'il est lui-même maintenant, il le montre, très mal à l'aise avec ce projet. C'est un projet qui est en train de vraiment fracturer la cohésion de la société française. Mais je dis que c'est un piège. Parce que moi, c'est de la loi que je veux débattre. Mais vous dites oui ou non ? Moi, c'est de la loi que je veux débattre. Mais de ça, vous à partir pas du de... moment... Mais je dis, vous je dis que c'est une hypocrisie. Quoi vous faites quoi mais je dis vous que c'est une quoi, hypocrisie. Mais Jean-Jacques Bourdin, je réponds. Je vous pose je la question. Je dis que c'est une hypocrisie. Il y a une loi, et alors le maire va dire « Non, moi, je veux pas, alors vous je vais faites trouver quoi, un adjoint vous, si qui la veut loi bien. Pas... » Il a voulu aussi faire en sorte que les conditions dans les mairies soit mise en œuvre partout. Il s'adresse à l'association des maires et il veut s'assurer que partout, dans toutes les municipalités, ce droit au mariage soit effectif. L'État en est le garant, la loi sera bien appliquée partout. Ils finissent par être à court d'arguments, ne plus avoir que des petites histoires à raconter, toutes tarabiscotées. Regardez ça, Bruno Leroux, le chef des socialistes à l'Assemblée, qui dit « Je connais un maire qui n'a pas voulu marier son ex-femme avec son amant, ben il a délégué et le mariage a bien eu lieu. » Plutôt que d'envoyer le signe de la mollesse, plutôt que d'envoyer le signe de la résignation, le président de la République aurait dû envoyer le signe de la détermination. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé, on ne peut que le regretter. Laisser penser qu'honnêtement, des mères pourraient avoir le droit de ne pas marier des couples parce que quoi? Parce que ça les dégoûte? Parce qu'ils vont être contaminés? Ils peuvent toujours laisser leur premier parce adjoint. Parce que c'est contraire à leur conscience. Oui, alors les médecins ne vont plus pratiquer les IVG parce que c'est contraire à leur conscience. Je pense que c'est un calcul politique et que c'est un calcul politique très malin. Parce qu'à court terme, ils désamorcent la crise. Les mères n'auront plus aucun argument pour aller manifester. Et au fond, ils donnent le temps à la loi de s'imposer. Et ils espèrent que petit à petit, ils vont l'appliquer. Et que personne n'y revienne. Comment les officiers d'état civil qui établissent les certificats de naissance des enfants pourraient-ils, eux, ne pas avoir de problème de conscience quand on va leur dire de bien vouloir indiquer parent 1 ou parent 2 à la place de père et mère ? Mais ça n'est pas vrai, François Dorcival, ça n'est pas dans le texte.